Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur Spider-Man Web of Shadow, ou le règne des ombres en français. Alors la dernière fois on s'était rendu compte que c'était le bordel, il y avait des monstres de partout, et on revient dans le passé, Spider-Man nous raconte sa mésaventure avec Venom, c'est là où il y a eu son costume symbiotique, et qu'il a mis MJ à l'hôpital parce qu'il s'est fait blesser. Et pendant ce temps-là, on est en train d'attaquer des voyous, comme nous a demandé le grand, le beau, le ténébreux Luke Cage. Alors, j'ai 2072 points, je vais le mettre pour un coup. Ajoute un cinquième coup au combo au sol, parce que c'est marrant de faire des combos. Voilà. Et il faut pas que j'oublie que je peux parer les attaques. C'était pour savoir si ça faisait triangle, c'est changé, d'accord. C'est pour augmenter un peu les coups, voilà. Allez, c'est parti, on va acheter ça. Oui, j'achète. Oui, j'achète. Alors c'est parti, dans le dernier épisode, Luke Cage nous avait demandé gentiment si on pouvait se débarrasser de Sniper, qui était en train de vouloir descendre quelqu'un. Et c'est pas bien de tuer les gens. Wouhou. Hop là. Je sais pas du tout si je me dirige au bon endroit. Hop là. Attends, il y a un truc ici. Ah, il y a des méchants. Ah oui, en plus sur la route, il y a des méchants. Alors c'est comme sur Spider-Man 4. Il y a des... Hop là. Tiens, quoi. Hop. Vas-y. Ah merde. Oh merde, j'ai pas fait carré, je l'avais paré, je crois. Bon, lui, il est toujours emmêlé dans sa toile. Il surfe sur la toile, hein. Sur ma toile à moi. Ça me fait gagner de l'XP, ça me fait gagner des points. Ah, attendez, c'est pas fini, il y en a encore. Attends, ça vient de respawn tout de suite là? Je viens de partir. D'accord, ça vient de respawn. Hop là, oh j'ai fait un petit strike. Oh là là, regardez-moi ça, ils sont alignés et tout. Oh, ce n'est que 50, 130, c'est trop un peu jumeux. Oh, j'ai fait un joli petit strike. Je les ai alignés un à un. Il y a encore du monde là. Hop là. Oui, cessez toute activité méchante. Oh putain, j'ai cassé un abri de bus. J'espère que personne ne voulait prendre le bus. Hop là. Mais reviens toi. Par contre, faudrait que je m'entraîne un petit peu à parer les coups. On va essayer de le faire. Hop là! Ah, j'ai réussi! Ah, il est collé par terre! Hop! Hop! Ah, bah c'est bon, il a disparu. Il a des pop. Aïe! Eh oh! Mais vous allez vous calmer, vous? Putain, on m'a rentré dedans, vous avez vu ça? Bon, d'habitude, je suis pas contre qu'on me rentre dedans. Soyez ici, franchement. Un peu, invitez mon resto, monsieur, s'il vous plaît. Bon, en plus, je suis pas de ce bord-là. Alors, excusez-moi, monsieur, vous êtes très sympathique, monsieur le taxidermiste. Non, j'allais dire taxidermiste, mais c'est pas du tout le même métier. Monsieur le chauffeur de taxi. Bon, après, vous allez me dire, il peut être taxidermiste et taxi en même, et chauffeur de taxi. C'est vrai. C'est vraiment le meilleur, Spider-Man. Ouais, je sais, merci. Oula, attends. Oula, ouh, par contre, j'ai fait un joli saut là. Un joli saut de cabri. Oh, le drapeau américain. Bon, j'y suis. Waouh, il y a du monde. Sange d'araignée, à toi de jouer. Si vous avez pas de vidéo. Appuyez sur longuement sur L2 pour activer votre sens d'araignée. Ok. Alors, sens d'araignée, allez autour des cibles. Bleu, c'est les alliés, c'est les gentils. Et rouge, c'est les méchants, c'est les ennemis. Non, sans déconner. Bon, ils sont plus orange que rouge. Appuyez sur L2 pour centrer la caméra sur l'informateur. Une colonne lumineuse verticale illumine la cible verrouillée. Appuyez une deuxième fois pour déverrouiller. C'est lui. Bon. Et maintenant, où sont les méchants? Appuyez longuement sur L2 pour activer ces araignées. Et voilà, sur une cible, ok. Orienté, je clique vers la gauche ou vers la droite pour repérer les ennemis. Oui, ça, je l'avais compris depuis le début. Vous auriez pu l'expliquer juste bien avant quand je me battais contre les mecs devant l'hôpital, quand même. Ils sont là! J'en compte 4! Arrêtez les voyous avant qu'ils ne tuent l'informateur. Ah oui, d'accord. Là, ça y est, c'est parti, ils m'ont repéré, quoi. Mais oh, monsieur, veuillez, je vous donne même. Je vous arrête. Ah, en plus, là, il tire avec des armes, hein, à balles réelles. Voilà, là, je les immobilise parce que, comme vous avez bien vu, ils ont des armes. Excusez-moi, monsieur, pour votre magasin. J'ai pété
Ah oui, il a... Il avait de la vie. Est-ce que tout le monde va bien? Waouh, merci, merci mille fois. Ne me remercie pas, remercie Monsieur Cage. Bah, il aurait pu être plus efficace puisque lui, il peut parer les balles, mais bon, on va après, on se lance dans les détails. Mission achevée, sans dessus dessous, ah, j'aime bien sens dessus dessous parce que c'est le sens, en fait, comme ça. Sans araignée. Bon, c'est parti. Oh, par contre, il y a beaucoup de taxis. C'est comme un prototype. Ah, les taxis, il y en a beaucoup à New York. Ah, vous allez en voir souvent. Des voitures noires aussi, comme ça, de la même marque. Ah, en même temps, hein, il faut. Ils vont pas faire des assets pour chaque voiture. Pour toutes les voitures qui sont sorties. Oh là, attendez, monsieur. J'ai vu une petite araignée. Merci. Alors, ramasser 3 de plus pour atteindre le niveau 2. Ouais. Bon, alors, si vous voyez les taxis, je vous invite à faire un défi. Oula. Chaque fois que vous voyez un taxi, vous buvez pas d'alcool parce que l'alcool c'est pas bien, buvez avec modération, mais mangez des chips au wasabi. Une chip au wasabi par voiture de par taxi découvert. Ça pourrait être très marrant comme jeu à faire. Allez, je vous invite à faire d'autres trucs. Vous pouvez même faire des trucs sexuels avec, j'en suis sûr. Bien joué, Spider-Man. Tu m'as filé un sacré coup de main. Oh, c'est dans le contrat de super-héros, non? Tant que t'y es, pourquoi tu utiliserais pas ton sens de l'araignée pour débusquer les voyous qui traînent dans les rues? Ce serait toujours ça de gagner, non? Le combien de doublages de Spider-Man et de Cage, ils sont très connus. Ils disent, en tout cas, ils me disent beaucoup quelque chose. On a dû souvent les entendre. C'est combien de doublages là, français? Et je les aime plutôt bien, moi, leur voix. Bien sûr. Même si des fois ils sont pas trop dans le ton, je sais pas pourquoi. Ils ont dû être mal castés. C'est quoi ton plan pour ces voyous? On ne peut pas faire plus simple. À chaque fois que tu en neutralises un, ça en fait un de moins. Mais c'est logique. Ouais, logique. Oui, voici, merci Spidey. Spider-Man, cette guerre des gangs menace des vies innocentes. Je vois. Ces gars tirent d'abord, ils réfléchissent après. Il faut à tout prix éviter que des innocents prennent une balle perdue. Entendu. Utilise ce sens d'araignée sur les voyous, d'accord, ok. On va essayer de se transformer, changer un petit peu. On va mettre le costume noir. Oula, oh, bonjour mademoiselle l'araignée. Excusez-moi. Hop là. Voilà, hop là. Ah, d'accord, c'est la peau. Ah, c'est ça les touches. Hop là. C'est bon? Ah non. D'accord, ok. Oups! Mais arrêtez de me foncer dessus, monsieur. Ah, là, j'ai appuyé sur le bouton sur changer sur le. Oh, je l'ai amené vers moi. Rendez-vous immédiatement! Vous n'avez pas le choix! Ah, c'est tout là-bas. Utilisez votre sens de l'araignée, oui, d'accord. Non, mais. Oula! Oula! Mais attendez! Hop, 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 hop. Je vais te buter! Attends, il faudrait que je m'entraîne un petit peu à parer les coups. Oh, le coup de pied, ça veut dire dégage, mon gars! Oh! D'accord, il y a le taxi qui est rentré dans. Non, il y a le policier qui est rentré dans le taxi. Oula, il y a une voiture qui a. Des pop, je crois, devant moi. Ah merde, j'ai pas pu réussir à l'attraper. Et d'ici là, je peux la voir. Tiens, un coup de pied dans ta gueule. Allez, hop, toi aussi. J'ai pas encore de combo avec triangle et ça me perturbe. Bon, je vais peut-être pas beaucoup utiliser triangle. Hop là. Hop là. Et hop, petit roulé-boulé. Yep. La caméra, par contre, on peut pas diminuer la sensibilité de. Non, on peut pas. D'accord. Commande. Non. Non, rien du tout. J'ai mis skip sur 1. Hop. Non. N'oublie pas le sens de l'araignée. Te permet de prendre l'avantage. Ça m'a déjà aidé de nombreuses fois par le passé. Je t'ai vu combattre. Tu pourrais faire nettement mieux, tu sais. Hé,
Tu disais que j'avais tous les atouts pour ça. Tu vas tout le temps au corps à corps. Avec ta vitesse, tu pourrais frapper et repartir dans la seconde. C'est ce que je fais, hein. Je bouge tout dans tous les sens. Je peux te montrer si tu veux. Pourquoi pas, après tout. Par contre, t'as pas trop fort, hein. C'est un entraînement. Non, parce que je le connais, Lucas. Ok, petit hein. Bonhomme, reste là. Il va me balancer des poubelles. Attaque-moi en sautant, aussi fort que possible. Prêt ? Vas-y ! Appuie sur triangle pour entourer une cible juste avant de contact, appuie sur triangle pour frapper. Aïe ! C'est l'idée, mais tu attaques encore trop tôt. D'accord. Allez ! J'étais trop tôt. Trop tôt, approchez-vous davantage de Luke Cage. Voilà ! D'accord. Ça c'est stylé ça ! Oula, le petit freeze. J'y arrive pas ! Allez ! Tu vas pas laisser tomber ! Essaie encore ! Concentre-toi ! Oh si, j'y suis bien arrivé là ! Prêt ? Vas-y ! Appuie sur lancer une nouvelle frappe de toile. Ouais, appuie, c'est ça ! Puis sortir, ok. Wouhou ! Allez ! Ouais, il le faut faire plusieurs fois, ils sont gentils. Hop là ! Ouais ! Hop là ! Encore ! Ah ouais, tu peux jamais retomber quoi. T'as du style, faut bien l'admettre. Maintenant, je vais plus retenir mes coups. Allez. Ok. Prêt ? On va apprendre à quitter le combat et puis contre-attaquer. Attends, on va changer de costume juste pour voir. Vous pouvez sauter avec croix pour annuler la frappe de toile. Hop là. Bien. Ouh, attends, c'est à moi ça. Ah merde, il y avait un petit bidou, j'ai vu. Hop là! Tu m'as eu! Il y avait un binou là, je l'ai où? Prêt? Vas-y! Appuie sur triangle juste avant qu'un adversaire ne vous touche pour contre-attaquer. Garde ça pour les voyous! Allez! Pas compris. T'arrives trop tard! Prêt? Vas-y! C'est chaud! Hey, oh, le timing il est super serré! Oui, d'accord, ok. Raté! Ah, j'ai appuyé là! Allez! Juste avant qu'un adversaire ne vous touche. Oui? Bon. Ah, bah c'est bon! C'était parce que pas j'ai fait depuis le début, ça n'a pas changé. Il y a largement de quoi t'entraîner dans le coin. Ça n'a pas fait de contre-attaque. Alors reviens quand tu seras au point. Je te montrerai autre chose. Ok, on peut apprendre des nouveaux combos. Yes. Ok, parfait. Luke Cage. Alors, Luke Cage, également connu sous le nom de Power Man. Ah, je savais pas ça par contre. Doit sa force surhumaine et sa peau dure comme du titanium à une expérience clandestine du temps où il était en prison depuis sa... depuis sa libération. Arrête, ça défile tout seul. Depuis sa libération, il fait régner la justice dans la rue à la force de ses poings et n'aidera Spider-Man qu'à condition qu'il soit allié aux personnes qu'il a juré de défendre. Vous trouverez Luke Cage dans le parc occupé à protéger les habitants du quartier. Quand votre jauge est pleine, appuyez sur appuyez sur touche directionnelle vers le bas pour appeler un super-héros ou un super-vilain. Les premiers, ouais, il nous spoil qu'il y aura des super-vilains. Les premiers vous aideront sur la voie rouge, les derniers sur la voie noire. Non, sans déconner. Appuyez sur de nouveau sur croix directionnée vers le bas pour orienter votre partenaire sur une cible. Leur attaque spéciale vide votre jauge plus vite et votre partenaire partira dès qu'il sera vide. Appuyez sur directionnée vers le haut pour envoyer un allié. D'accord. Ok. Et j'ai pas rien débloqué. Non, j'ai rien débloqué à part sur en attaque noire. C'est quoi l'attaque noire là? Spider-Man frappe le sol pour que les virils. Oh! L1 plus carré. Ouh. Oh, j'achète. J'achète, Jean-Pierre. J'achète. Ok. Ah, le petit minou, je le voulais. Lancer 10 frappes de toile sur les voyous. D'accord. Maintenant, il faut s'entraîner sur les voyous à notre nouveau truc de frappe de toile. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je confonds la touche de sens d'araignée et de changement de costume. C'est magnifique. Oh, je t'ai vu, toi. Hop là. Oh là, ce beau saut en avant. Ce Patrick Bosseau, comme dirait un certain moustique. Wouhou. Allez, je les ai vus là-haut. Excusez-moi, messieurs. Veuillez descendre de ce toit. Ah, il y en a qui cherchent les coups ici.
Hop là. Et hop là. Et hop là. C'est le cirque. C'est le cirque. C'est magnifique. Tu peux rebondir sur eux comme ça, c'est magnifique. Bon, par contre, c'est chiant. Par contre, c'est vrai que j'ai le truc de... Oh, mais il y en a un là, mais moi, je veux celui-là qui est... Putain. Non, mais il vise... Ah, mais il vise pas... D'accord. Mais vise-le. Ah, là, là, mais... C'est un petit peu... Voilà, merci. Faut que je me réapproprie. Non, mais... Et des fois, il veut plus viser, c'est fou. Et... Paf. Et... Paf. Voilà, ça c'est fait. Il avait là-haut tout à l'heure, j'ai vu. Surtout ça. Hop là. Oh merde, j'ai loupé. Oula. Oh oh oh, la caméra. Putain. Il y a Jean-Michel Caméra, il a dit oh. Eh, on m'a tiré d'en bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Hop là. T'as vu, je t'ai retenu que tu tombes. Je t'ai sauvé la vie, mon gars. Tu me dois quelque chose. Hop là. C'est bon. Il est encore en haut. Hop. Faut que j'en fasse 10, hein. C'est pour ça que j'en fais pas. En plus, ça m'entraîne un petit peu aussi. Mais ça aide pas vraiment la caméra. J'avais oublié la caméra par contre. Alors, je me souviens complètement du jeu pour son fun et tout. Ça va partout et tout. Mais j'avais complètement oublié que la caméra était aussi fun. Hop là. Mais c'est trop marrant, tu peux presque pas toucher le sol. Eh mais encore un là. Oh, je l'ai touché. Bon, en vrai je touche pas aussi la jambe. D'accord. Mais des fois je suis... Il a speedé, il arrête de le viser et il part complètement. Il tape complètement à côté, c'est un petit peu relou. Hop là. Il y a des méchants à côté, je peux pas les laisser passer. Je peux pas les laisser comme ça. Hop là. Salut les gens, comment vous allez? Kamehameha toile. Ça c'est trop marrant ça. Hop, hop là. Et un petit coup de pied. Et paf. C'est bon. Y'a plus personne. C'est bon, on peut y aller. Ah, y'a un petit bignou là. Oula, oula, oula. Ah si, ça y est, on peut courir, d'accord. J'ai pas trouvé vraiment la touche pour courir. Mais oh la caméra. Putain la caméra, mais t'es aussi folle que ça là, quand j'ai joué moi. C'est un truc dont mon cerveau a complètement zappé quoi. En même temps, tu vas me dire, c'est normal, l'être humain il va se sortir. Il va plus se rappeler des. Enfin, il va plus se rappeler du bon moment passé sur un vieux jeu. Il va dire, ah oh, putain, ça c'était bien, c'est la nostalgie. Tu te souviens? Hein? Tu te souviens comment c'était bien? Tu te souviens? Tu te souviens Ghostbusters? Ah oui, je te souviens, tu te souviens, oh, Moutou? Oui, je te souviens, voilà, Dixie, t'as un épisode de South Park. Il y a encore des méchants en bas! Je peux pas les laisser tranquilles comme ça? Hop là. Hop là. Et moi je sens que je suis le seul. Hop là, allez à toi aussi. Hop là. Putain mais j'ai pas tout à la cour là mais... Hop là. C'est bon. Oh. Oh mais c'est flic quoi. Qui savent tirer sur les gens quand ils sont en plein vol. C'est magnifique quoi. Oh là, oh, par contre. Ah ouais mais par contre oulala. Il y a encore plein de méchants et ils sont respawn là ou c'est moi? Ah ouais, ils sont à côté d'un bignou. Attendez, il faut que j'aille les voir. Eh salut, ça va? On se fait une toile? Comment ça va? Et comment ça va toi sur le toit? C'est bon. Ah, s'il te... Ok, d'accord. Bon, je suis pris quand même un petit taquet, hein, une petite balle. Pas piquer des hannetons. Oula, il y a encore des gens. Mais il y a des. Ah, il y a des. Je peux pas laisser les ennemis comme ça. Ça va être chiant ça. Eh, salut. Moi, j'aime bien. Je suis poli, je dis bonjour aux gens. On va changer de costume aussi. Non, mais je voulais pas lancer la voiture. Désolé, monsieur le taxi. Ah, comme ça, ça s'est fait. Alors, j'ai pas du tout voulu faire ça, mais bon.
J'avais oublié qu'avec Ron, si t'es à côté d'une voiture, et avec le costume noir, bah il te prend la voiture et la jette sur les gens. Sans aucun respect. Il fait du vol à la tire, mais sauf que lui, il balance la tire. Hop là. Hop là. Salut. Eh, hey, on s'envoie en l'air tous les deux. Et hop là, oh, il adore voler. Mais par contre, c'est bien le costume, c'est pour les... Attends, c'est quoi la touche? Oh ouais, c'est ça. Oups, pardon. Oh, excusez-moi, monsieur le policier. Mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes faite en titane? Vous avez survécu quand même à cette explosion? On va aller voir du catch parce que... Bon, bon, voilà, ça apparaît de plus en plus. Bon, il y a un monsieur, il y a un policier qui est pas décédé, il a disparu. Ça, si on ne trouve pas son cadavre, c'est pas considéré qu'il est mort. Bien joué, Spider-Man. Utile, cette toile, hein? Oui, très. C'est un peu ma marque de fabrique. C'est surtout bizarre, mais bon... Ouais, je te dis quoi, avec quoi j'ai fait marcher, hein. Je te dis pas, j'ai la main gourdie à force. C'est dégueulasse. Merci. Enfin, je crois. T'es prêt? Pas de problème. Ah, encore un entraînement. Ah bah, ok. Oh, on peut pas faire couper, faire un montage, on y va. Ok. Bon bah, on va aller directement à l'endroit pour s'entraîner avec Luke Cage. Oh là, il y a un petit bignou. Oh, il y a un autre petit bignou. Il y a des bignous partout. J'aime bien les bignous. Bah, des fois ils courent, des fois ils courent pas. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai plus qu'une fois pour courir. Oh, un bignou. Attends. Oh, oula, pardon, excusez-moi. Réaction en chaîne. Tu vas pouvoir mettre un terme aux rackets que les gangs pratiquent dans le quartier. Le racket? Ces voyous campent devant chaque porte de la rue et intimident les habitants, réclamant de l'argent pour les protéger. C'est pas croyable. Ta vitesse te permettra de toucher ces types à tour de rôle, Lucas, en sautant de l'un à l'autre. J'ai essayé ça. Je t'ai pas vu, mon gars. Commencer immédiatement. Utilise ta toile pour toucher ces gars à la chaîne. Attends, c'est Luke Cage. Pas besoin d'explication. Ok, alors il faut enchaîner les ennemis, d'accord, j'ai compris. Par contre, j'aimerais bien que tu me... Voilà. Hop là, bonjour monsieur, je ne fais que passer. Je vous enchaîne un à un. Et je parle pas des chaînes, voilà, de prison. Oh, par contre, ça c'est stylé quand il a tiré. Je savais que tu y arriverais. Un nouveau groupe t'attend. Dis-moi où ils sont. Ils sont plus nombreux cette fois. N'oublie pas de rester toujours en mouvement. Oh, tu sais... J'ai le rythme dans la peau. Ouais, je suis bon dans ça. Par contre, il est dégueulasse le toit. Faudra le nettoyer. Hein. Alors, attends, s'il veut plus me loquer. Voilà, merci. Eh, hey, bonjour, on se fait une toile? Oui, je vais faire cette blague à chaque fois. J'adore. Toile, mon toile. Ah, ouh, tcha tcha tcha. Hop là, un petit saut et paf. Regarde-moi, c'est stylé ça. Ah, impressionné, hein. Ouais, je sais. Ah, d'accord, il fallait que j'avance d'un centimètre pour ça. Ça fonctionne plutôt bien. Je te propose un groupe de 7 maintenant. Mais ils n'arrêtent jamais de racketter les gens, ces gars-là. Ils n'arrêtent jamais d'être à la chaîne comme ça, un par un. Non. Ok. Oui, bah c'est bon. C'est... Merci, c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Hop, salut, ça va? Alors, on se promène? Ça va la vie? Je fais que de passer, hein, je reviens après. Oh! T'es très joli en blanc. Hop là! Bon, je vais pas vraiment tirer dans le truc jaune là, mais. Spider-Man, tu vas pouvoir m'aider. Si on met les gangs sous pression, les honnêtes citoyens pourraient recommencer à vivre normalement. Il nous faudrait une solution permanente. Nous n'avons fait que gagner une journée. Exact. On devrait peut-être réunir les chefs de gang. Et comment tu vas faire ça sans qu'ils s'entretuent? Dans la rue. Ce sont la réputation et le respect qui priment. Facile. Rends leur service. C'est une blague? Mais enfin, Luke, ces gars sont des ennemis publics. Le gang de Park Avenue va essayer de se faire le chef des Rolling Seven. Suis leur voiture et arrête-les avant qu'ils n'interviennent. Les Seven te seront redevables. Redevable. Ouais, c'est bien pensé, mais j'ai pas l'intention de devenir membre d'honneur de leur gang. J'aime bien comment Spidey détourne le regard de Luke Cage, il est trop imposant. Putain, cet homme, c'est muscle. Si ça continue, je vais virer de bord. Il est en train de se dire. Ah, j'ai gagné le truc.
Alors voix rouge, on va mettre plus dans la voix rouge parce que la voix noire, bah c'est les méchants et je vais être gentil. Au sol, appuie sur carré et rond. Montre-moi ça, j'ai pas compris. Ah ouais, c'est un uppercut punch. Mais c'est quoi, en quoi c'est une attaque? Ah non, c'est une attaque spéciale. Oh, moi je prends l'uppercut punch moi. Et ça c'est quoi? Au sol, appuie longuement sur... Oh ouais, tournicotis, tournicotons. Mais j'achète tout de suite tournicotis, tournicotons. Bon, j'ai que ce 780 là. Ok. Ouais, tournicotis, tournicotons. Ah, ils s'appellent les Rolling Seven. D'accord. Et... Hop là. Je leur me remets en rouge. Oh oui, le petit minou. Oh putain, j'atterris pile poil. Hop là. Hop. Hop là. Oh, j'adore les petits sons et tout, quoi. J'adore le virevoltage de Spider-Man, c'est pour ça que c'est un de mes héros préférés. Il virevolte, il fait des sauts, il fait des trucs de mal. Là, il manquerait plus qu'à la musique. Assassin de la police. Voilà, c'est assassin des gangs, mais bon, vous avez compris. Alors bravo les mecs, vous êtes intelligents, ils se tirent dessus alors qu'ils sont sur une station essence. Une balle de perdu et tout explose. Alors bravo les mecs, ça se voit l'intelligence des gars quoi. Protéger la service neutralise les voitures de Park Avenue. Un coup de piste circulaire peut neutraliser une voiture. Ok. Neutraliser les voitures de Park Avenue. Neutraliser les véhicules de Park Avenue qui entourent la station. Sauter sur le toit et appuyer sur carré pour effectuer un coup de piste circulaire. R2 plus carré ou toute autre attaque. Ok. Ok. Alors attends, parce que j'ai pas trop compris. R2 et carré. Non, t'as juste à faire L2 et tout bien. Ah d'accord, c'est juste en fait tu enchaînes les trucs comme ça. Ouais bon, en fait tu te promènes et ouais bon c'est pas comme Spider-Man sur PS4 hein. Bon il sort les mecs à 1. Hop là. Bon, par contre tu joues avec le gros, il a la session essence, la vie est. Hop là. Bon après t'es obligé de faire tout le temps carré, tout le temps triangle, tu peux faire carré. J'aurais dû me concentrer sur l'autre voiture. Mais Spider-Man a choisi de prendre celle-là. Il a une préférence, qu'est-ce que je vous dis. Ah là, merci. Oula, oula. Attends, on va les attaquer de l'autre côté, ils vont arriver de l'autre côté. C'est bon, je les ai. Oula là. Détruit déjà. C'est un peu silencieux, ça manque de musique quand même des fois. C'est dommage. Parce que les trucs qui épiquent qui se passent quand même. Hop là, ça va. Midlife là, la station. Oh ouais. Ouais le petit minou. Bon, hop, c'est bon, c'est parfait. Oh, il y a un autre petit minou. Une patoune. J'aime bien les patounes. Moi je suis un mec à patoune. Hop là. Ou oh, pardon, excusez-moi, je suis pris le putain de d'arme et ça va. Déjà de retour. Oh putain, je suis mis dos à lui. Et Speedy, il est en train de regarder. Il a un peu peur, dans ses yeux ça se voit pas mais il a peur. Tu sais, je me demandais, comment t'es devenu un super-héros? C'est une longue histoire. Oh, on l'a lu tout à l'heure hein. J'ai été accusé à tort et j'ai accepté de me livrer à certaines expériences pour me dédouaner. Depuis, j'ai une peau dure comme l'acier et une force surhumaine. Moi, j'ai été mordu par une araignée. C'est simple et efficace. Non. Non, sans déconner. Si. Si, si. Mais attention, ça marche pas sur toutes les araignées, c'est que sur l'araignée en comics. J'ai vu des gens, c'est une info vraie sur internet, qui se sont fait mordre par une veuve noire, je crois, des enfants qui se sont fait piquer par un mort pour devenir Spider-Man. Il y a des gens cons quand même dans le monde. Hein. Et c'est pour ça que tu t'appelles Spider-Man. Waouh. On s'en déconne. Par contre, Luke Cage, là... Ah, oh, j'étais jeune. Et puis, je trouvais que ça en jetait. Mais j'aime bien. T'étais jeune, hein. Ça explique le costume aussi. Et là, t'es quoi? T'es vieux, Spider-Man? T'as quoi? T'as 21 ans? C'est trop vieux. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me parler de mon costume, à la fin? C'est devenu un classique. Un symbole. Ouais, il est stylé. Un classique. Bon, il est vachement dur à dessiner. Moi, je dirais plutôt... moche et ringard. T'es méchant, Luke Cage. Et je te rappelle quand même que toi, tu portais une chemise jaune moulante à col pelle à tarte. Et un diadème dans ta coupe afro. Ah, ça c'était les vieux comics je pense. Ouais mais moi c'était il y a longtemps. Alors que toi tu t'acharnes manifestement.
Bon, après, j'avoue que le style de Luke Cage, t-shirt moulant jaune avec des gants noirs et un pantalon avec son ceinture son nom dessus. Bon, tu peux pas tester aussi, mais si là on compare celui-là à Luke Cage, le style à Luke Cage, franchement, on a qu'une chance. Pêche, tu portais un diadème. Un bandeau. C'était un bandeau. Spider-Man, tu as fait forte impression, tu sais. Merci. Oh, ça fait plaisir à entendre. J'ai fait forte impression aussi aux voyous, hein. Très très forte impression dans leur figure. Ouais, au point que les gangs ont décidé de faire entrer leur premier couteau dans la danse. Attends deux secondes, là. Laisse-moi deviner. Il va falloir que je combatte des gros méchants hargneux et pleins de muscles, hein? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est une assez bonne définition, en effet. Ok, j'imagine que je vais devoir leur remettre les idées en place? Tiens, te revoilà, Spider-Man. J'ai pensé à ton style de combat. Ça ne m'étonne pas, il est tellement génial. Eh oui! Tu peux utiliser tes toiles pour tomber au beau milieu d'un groupe d'adversaires. Ensuite, un seul coup de pied peut suffire. Oh, c'est une bonne idée, ça. Je vais l'essayer immédiatement. Oh, nouvelle aptitude. Tu trouveras ton bonheur à ce coin de rue. Ok, comment je m'y prends? Commence par te balancer à l'aide de ta toile et exécute un coup de pied circulaire. S'il te voit arriver, il risque de déguerpir, alors fais vite. Appuie sur croix et maintiens R2 pour commencer à vous balancer vers les trafiquants. Ouais. Et carré. Oups, j'ai loupé. Ah, j'ai totalement loupé. Ce qui me fait marrer, c'est que c'est le truc où j'ai fait un jeu de kill à l'air. Tout de suite là, dans le dernier épisode, je sais même plus. Et là, j'arrive même pas. Ah ouais, mais en fait, c'est juste le balancement de poids, le coup de pied de balancement de poids, d'accord, ok. C'est ça qui s'appelle un coup de pied circulaire, d'accord, ok. Ah, merde, je suis tombé trop bas. Ouais, c'est pas facile à jauger en même temps. Il faut que je l'ai fait. Et carré. Oh putain, j'ai pas. Et le lampadaire aussi était avec. Ça compte ou pas? C'est un ennemi aussi le lampadaire. Est-ce que je peux le porter? Non. Bon, attends, je vais attraper le guignou. Hop là. Merci pour le guignou. On dirait que tu as compris. Tu penses pouvoir le refaire? Bien sûr. Ouais, ça va être compliqué. Parfait. Mais je vais pouvoir le faire. Je t'ai trouvé un nouveau gang. Il prépare un mauvais coup. Ah, t'as le pied qui traverse. Alors, le sol. Agilite. Tu feras attention. Oui! Strike! Putain, moi je l'appelle ça le strike. Tu fais une attaque strike. Parfait. Il y a un gang important avec plusieurs guetteurs. Oh, je vous bouille, tu dois agir avec vitesse et précision pour tomber pile au milieu. Salut, ça va? Vous ne voyez pas trop là? D'un seul coup de pied. On est incognito. Incognito. Hop là! Strike! Par contre, j'aime bien les mecs qui disparaissent. Hop. Par contre, ah, d'accord, tu vas là, tu pourrais venir quand même jusqu'à moi. Feignant. On dirait. Bien joué, Spider-Man. Je fais les choses méthodiquement. C'est mon côté perfectionniste. Bon, il faut que tu combattes chaque groupe de la même façon, en abattant tous tes adversaires d'un seul coup de pied. Reviens me voir lorsque tu auras vidé les rues. On va faire un autre entraînement où on fera le faire sur tous les ennemis encore de la zone. Ok, on va prendre le bignou et on va s'arrêter là. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas que cet épisode vous aura plu, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça vous a fait plaisir. Ah, on s'emprunte pas en tapant sur des méchants. Bon d'accord, ok. Peut-être que si ça va arriver. Bon bah voilà, eh ben, oh mais il y a des milliers d'accord, bah, super, il y a des gens qui viennent de popper dans mon dos. Ah, bah, c'est une voiture, tiens. Hop là. Hop là, je vous ai eu. Putain, des fois, je voudrais enchaîner mais j'arrive pas. Hop là, venez vous arrêter. Hop là. Ah, il y a quelqu'un de blessé. Ah, il y a quelqu'un de blessé, ok. En même temps, il y a une grosse explosion qui s'est passée. Et hop, on va le mettre à l'hôpital. Bon, on est ce monsieur à l'hôpital et on va se quitter là. Sur cet épisode. Excusez-moi, il y avait une moto, une motocyclette qui est passée à ma fenêtre. J'espère que vous l'aurez pas trop entendu. Si vous l'avez entendu. Aïe, je suis pris un taxi. Je voulais le mettre dans le taxi, mais je voulais pas le prendre, me prendre le taxi. Oh là, il y a des gens partout. Bah attends, il y a une garde des gangs aussi au-dessus. Oh putain, c'est la garde partout. Bon, excusez-moi, voilà. Occupez-vous de ce monsieur. Il a l'air mal en point. Je sais pas ce qu'il a eu. Il a survécu à une explosion. Mais en même temps, il a pas survécu à une explosion. Voilà. il a survécu. Hop. La caméra fait des trucs chelous quand même, des fois. Oh là là.
Voilà, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. Et on se retrouve pour le prochain épisode sur Spider-Man Web of Shadow, le règne des ombres. Hop là. Oh putain, par contre ils sont morts les gens. Là c'est pas comme dans Spider-Man PS4, à chaque fois qu'ils tombent ils ont un truc pour les sauver quoi. Oh là là. Je vais quitter ça. Ah j'ai réussi à faire le truc. Putain. Attends, j'essaie de faire le truc de balancement de toile là. Le strike. Hop là, voilà, allez, tombe et meurt. Non, Spider-Man il tue pas les gens, c'est pas vrai. C'est une idée fausse, c'est une idée reçue ça. Regardez. Attendez, il faudrait que la caméra arrête de devenir folle. Lui là-bas, regarde, il va tomber. Bon, il est pas vu, on l'a pas vu tomber, mais il est tombé. Hein. Hop là, allez hop, ça va. L'ambulance est à côté. Enfin, l'hôpital est à côté, voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon je vais encore partir en vrille. J'ai dit oui, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est Kratos. On se retrouve pour le prochain épisode. Et ah, ça, j'ai déjà dit. Bon, voilà. Salut tout le monde et portez-vous bien.